sorti de la 17e promotion des écoles des sous-officiers de Banankoro. Au nombre de 406 élèves sous-officiers, dont 65 personnels féminins, a bouclé leur cycle de formation. Cette 17e promotion de l'école des sous-officiers ESSO de Banankoro a été baptisée Feu Sergent-Chef Haruna Keïta de la Direction des Transmissions, des Télécommunications et de l'Informatique des Armées. La cérémonie de baptême et de remise de galons s'est déroulée le vendredi 7 juillet 2023 sur la place d'armes de l'école des sous-officiers de Banankoro. Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le colonel Sadio Camara, a présidé l'événement en présence des chefs d'état-major et directeurs de services des armées, ainsi que des autorités administratives et coutumières de la région de Ségou. Des parents des promus ont également pris part à la cérémonie de sortie. Cette 17e promotion de l'ESSO compte 14 stagiaires venant des pays amis, notamment le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, le Gabon et la Guinée-Conakry, qui ont participé à la formation. Le taux de réussite est de 100%. Le sergent Nyamoui Maïga du Mali a été major de la promotion avec une moyenne de 17,22. Pendant 2 ans, ces jeunes chefs de groupe se sont familiarisés avec, entre autres, des connaissances tactiques et techniques de combat, du DIH, du leadership et de l'aguerrissement commando à Samako.